Salut à tous les amis, c'est Dr Play, comment allez-vous les gens? Moi je vais très bien en forme comme d'habitude. On se retrouve pour une petite vidéo assez rapide, très très rapide, pour vous expliquer un peu pourquoi je suis ici déjà. Voilà, pourquoi je vois une Stargate derrière, pourquoi il y a Open Computer derrière, pourquoi on est dans un biome magnifique. Voilà, il y a tellement de choses à vous expliquer, mais je ne vais pas vous les expliquer parce que ce serait trop long à expliquer. J'ai, comme vous avez pu voir sur YouTube ou sur Discord ou que ce soit, vous avez pu voir que j'ai posté des images par rapport au Stargate et tout ça. J'en ai reposté des nouvelles parce que la map a eu des problèmes. J'ai refait plein de trucs, j'ai refait plein de retouches. Là, ça fonctionne. Parfait. Enfin, j'espère que ça fonctionne parfaitement. Voilà. Pour l'instant, ça fonctionne. Hein, j'ai pas de plainte. Voilà. Donc, comme vous avez pu voir, j'ouvre un serveur Minecraft. Donc, bien sûr, tout le monde peut venir. Voilà. Pour une nouvelle chose en plus de ça. Si jamais vous tentez de venir sur ça, déjà il faudra être premium sur ça. De plus, vous n'aurez même plus besoin d'avoir de mode que ce soit installé, puisque vous n'aurez juste à télécharger un launcher directement qui vous permettra de rejoindre le serveur. Voilà. Je vais essayer de trouver le moyen, en gros, de mettre l'IP sur le launcher, comme ça dès que vous connectez, bah, vous êtes directement connecté au serveur. Mais je verrai si c'est possible. De toute façon, vous le verrez par le launcher si vous avez une mise à jour par rapport à ça. Dans tous les cas, vous n'aurez plus besoin d'installer les mods ou quoi que ce soit, même si j'ai besoin de modifier quoi que ce soit sur le serveur. Vous n'aurez plus besoin d'aller dans les dossiers mods ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est moi qui vais gérer directement tout derrière. Voilà. Bon, vous entendez les piafs qui gueulent forcément, voilà. Mais voilà, tout est géré, tout ça. Donc là où je suis pour l'instant, c'est le spawn, hein, d'accord. Donc en gros, vous spawnerez ici, enfin, vous spawnerez aux alentours de ça. Vous aurez la porte des étoiles, vous aurez... Bah attendez, je vais vous mettre un exemple, voilà. Vous aurez deux nouvelles portes des étoiles, voilà. Moi, je suis en créatif pour l'instant, j'avais commencé ma survie, mais j'ai décidé de faire la vidéo, voilà. Donc, vous aurez deux entrées, donc vous aurez soit celle-là, avec le dial que vous pourrez faire et tout ça. Bien sûr, la porte fonctionne, hein. Elle fonctionne au panneau solaire de Galacticraft, oui. Pour ceux qui demandent, il y a Galacticraft, oui. J'ai plein de mods en plus, donc je vous montre un peu vite fait les mods en tout, hein. Bon, vous aurez Onis, donc ça c'est Stargate. Vous aurez des dimensions aussi, il y aura plein de dimensions. Il y a plein de dimensions, il y a des armes aussi, des loot random. Alors, ce que vous voyez là, les weapon machines et tout ça, c'était un mode de super-héros, malheureusement, qui ne fonctionne pas parce que il posait beaucoup de problèmes, on va dire, de ce côté-là par rapport au serveur. Et du coup, il n'arrêtait pas de crash, voilà. Donc, malheureusement, on ne l'aura pas. Il y aura Monsieur Crayfish Véhicule Mode, donc vous aurez des modes de véhicules, vous aurez V-Craft, Weston, il y a le TARDIS aussi, donc forcément ça fonctionne aussi. Vous aurez Aether Mode aussi, donc pour ceux qui connaissent le mode Aether, bah voilà, vous l'aurez aussi de ce côté-là. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc Astral Sorcellerie, pour ceux qui aiment bien la magie et tout ça, bah vous l'avez aussi là. Constellation Paper, bon ça c'est la même chose. Open Computer, comme vous avez pu voir derrière moi. Biomoplanty, donc c'est là où vous générez. Tinker Construction, Galacticraft, forcément, du coup, Explorecraft, il y a aussi les SCP aussi, donc vous trouverez des bâtiments de SCP aussi, voilà. Faites gaffe à ne pas crever, c'est tout ce que je peux vous demander. Thermal Expansion pour ceux qui connaissent aussi, il y a les backpacks aussi, voilà. Il y a Jurassic Craft, donc pour ceux qui aiment la section Jurassic Park, voilà, vous l'aurez sur le serveur, voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? J'essaye de vous montrer. Vous avez aussi Midnight aussi. Et Twilight Forest aussi comme mode, voilà. Et Mayu Tsuke. Alors je connais pas, mais j'ai vu le mode, j'ai vu que c'était très intéressant. Donc pour ceux qui connaissent le manga, je pense que c'est un manga, je me suis renseigné. Et bah n'hésitez pas à venir tester tout ça. Et à venir vous faire une petite idée sur le serveur directement. Sachant qu'il y a plein de constructions hein, sur le serveur. Là par exemple, à côté du spawn, celle qui n'a jamais été explorée encore de ce côté-là, bah vous avez une construction là. Je ne vous montrerai pas ce qu'il y a dedans parce que ce sera à vous d'aller explorer, voilà. Il y a possibilité un village par là ou je ne sais pas. Vous pourrez faire ce que vous voulez. Tout ce que je demande, déjà, vraiment tout ce que je demande, c'est pas de cheater, forcément. Et ne rien péter au spawn surtout parce que le spawn, c'est pas que c'est casse-couille à faire, je l'ai fait en créatif, donc voilà, j'ai pas à me plaindre. Mais ça gâche le plaisir des autres joueurs qui veulent utiliser la porte pour aller ailleurs. Voilà. Donc faites-moi le plaisir. Si vous venez sur le serveur, de toute façon, si je vois jamais, si je vois que quelqu'un fout le merde ou quoi que ce soit, je ne gênerai pas à ban directement. Voilà. Et ne reviendra plus, bien sûr, sur la serveur. Voilà, donc. Faites un plaisir si vous voulez rejoindre le serveur. N'hésitez pas. Si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas. Hein, je vous mettrai le launcher dans la description, mais s'il vous plaît, ne cassez rien en spawn.
pouvez faire votre survie, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais ne rien casser au spawn, ce serait nickel. Voilà. Donc les gens, je vous mettrai le lien du launcher dans la description. Je vous mettrai peut-être l'IP si jamais j'ai pas réussi à faire ce que je veux. Et puis voilà. Et bien sûr, c'est en 1.12.2, mais bon, ça, vous le saurez seulement quand vous téléchargerez le launcher, voilà. Mais bon, maintenant, vous le savez, puisque je vous le dis. Et puis voilà, donc venez un maximum jouer sans savoir, ce sera nickel. Sur ce, bonne journée à vous les amis. Bye à tous.